cada escena vou facer un pequeno resumen para preparar de que vai a escena, non? Alors, je suis très content de vous donner la bienvenue pour présenter un spectacle, disons entre guillemets, que les élèves de 5e année ont commencé à préparer depuis le mois de janvier. Nous sommes en train de travailler à Montréal. Évidemment, il s'agit d'une adaptation, parce que la pièce est très 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 longue et nous n'avons pas le temps de préparer toute la pièce. Il s'agit de Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, una pièce qui fut estrenada en 1670 le château de Chambord pour le divertissement du roi, para divertir al rey. Y el 23 de noviembre de ese mismo año presentó su público en París. Je pense que c'est par la troupe du roi, mais je ne sais pas exactement dans quel. C'est dans le palais royal que se présentó, le palais royal. Vale. Alors, de quoi s'agit-il? De que se trata? Eh bien, le protagoniste, c'est M. Jourdain, qui est un riche commerçant, qui veut devenir un homme de qualité. Et un rico commerçant qui a gagné sa fortune de son père, un seigneur qui vendait telas, et qui, de repente, veut vivre comme si fosse un aristocrate, comme si fosse un noble. Alors, comme il est très riche, il est prêt à dépenser tout son argent, à apprendre les sciences, les arts, disons, métiers et sciences auxquels les hommes de qualité sont déjà habitués depuis la naissance. Ciencias et artes, c'est ce que sont habituées à chaque personne que pour cuna, pour ça, pour un nombre de l'opinion. Il a aussi une raison extraordinaire, très très importante pour lui, c'est qu'il est amoureux d'une marquise. Il est enamorado de la marquise. Et il veut la séduire, et qu'elle est séduite. Et pour la séduire, c'est qu'elle cultive. Et c'est pour cela qu'il veut engager, qu'il veut apprendre la musique, qu'il veut apprendre à danser, qu'il veut apprendre l'office du métier des armes pour séduire la marquise. D'accord? Entendez-vous? Alors, entendez-vous? Vale. Et quand c'est que tout le monde se levante à l'obra et à l'obra, nous entendez-vous, nous n'avons pas de problème que les acteurs sont disposés à répéter. D'accord? Si queréis repetir, si hay alguna que os gustó especialmente, no repetimos. Vale. Vamos a representar 5 escenas. A distribución fixa se tendo en conta, dando yo un papel máis largo aos alumnos que tiñan máis problemas de fonética. Pero evitando os protagonismos. De tal maneira que M. Jourdain, que é le rôle protagonista, va a être representé par plusieurs élèves. Vale? Le même rôle, plusieurs élèves. Por eso veredes que entre escena y escena se cambian valores. Pero siempre veredes el mismo vestimenta. ¿Está claro? Claro, cada alumno tiene su acento, cada alumno tiene su manera de expresarse y esos son cambios que tenéis que superar vos mismos. ¿De acuerdo? Bien, alors, nous allons commencer par la première scène. Vamos a empezar por la primera escena. Les personnages sont M. Jourdain. Como él es el protagonista, il apparaît beaucoup. Siempre está M. Jourdain. ¿Vale? Después está maître de musique, o profesor de música, y maître dansé, o profesor de danza de baile. ¿Vale? Maître de musique et maître dansé essayent de convaincre M. Jourdain sur l'excellence de leurs arts, de leurs métiers. Tratan de convencer au Sr. Jourdain que sus oficios sont excelentes. Los dos igual por este problema. Porque se convencen de que os seus oficios son excelentes, mas se ajudem para nos contratar, já se vão ganhar um pouco de dinheiro. D'accord? Vous avez compris? Alors, vous allez voir la première scène. Allez, la première scène! Voilà le maître de danse et voilà le maître de musique. Alors, vous commencez. Vous devriez apprendre la musique, monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont des arts qui ont une étroite liaison et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de
demandé qu'elle était apprenne aussi la musique. Oui, monsieur. Ah, je l'apprendrai donc. Oh, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Car en plus d'un maître d'armes, j'engage encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. La philosophie est quelque chose, mais la musique, monsieur, la musique... La musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans son état que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire au somme que la danse. Sans la musique, un état ne peut pas subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Tous les malheurs de somme, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les horreurs de politiciens, tout cela n'est venu qu'il faut de savoir danser. Comment cela? La guerre ne vient-elle d'un manque d'union entre les hommes? Oh, cela est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ce ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Ah, vous avez raison. Lorsqu'un homme a commis une faute dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille ou au gouvernement d'un État, n'évitons pas toujours, un tel a fait un mauvais pas. Ah oui, on dit cela. Et faire un mauvais pas, peut-il causer d'autres choses que de ne savoir pas danser? Ah, cela est vrai, vous avez raison de le dire. C'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et la musique. Oh, oh, je comprends cela, Seigneur. Argumento que dice el maestro danse, que dice que cuando un hombre hace un mal paso en la vida, no se dice que hizo un mal paso, y no podría solucionar aprendiendo a bailar. Y me dice eso, va a contratar a los dos, porque es algo que me evidentemente muy interesante. ¿No? Bien, pasando a la deuxième scène, segunda escena, interviene M. Jourdain, maître d'armes y maître danse. Es decir, los mismos, pero maître d'armes. Además, en plus, d'accord? Dice le résumé. Arrivé de maître d'armes, les discussions entre les trois professeurs, le maître d'armes et le maître avancé se disputent sur l'excellence de leur métier devant M. Jourdain. Autant que se disputent pour la fête de M. Jourdain, bien que leur vidéo que M. Jourdain qui obtient l'argent. D'accord? Tous les deux veulent gagner son faveur et son argent. Quel est l'argent? Faites attention à l'argument présenté par Maître Danse, ou argument chamassé raison démonstrative, qui est un argument qui s'utilise en rhétorique, et qu'il n'y a aucun problème d'utiliser, bien que ce soit en rhétorique. Mais l'important est de dire quelque chose pour commencer à M. Jourdain. Donc, utiliser cet argument de raison démonstrative, qui est plus propre d'un rhétorique ou d'un amant de la lingue. D'accord? Si? Donc, respectez. La scène numéro 2, s'il vous plaît. Allons, monsieur. Attendez. Voilà, lui, c'est M. Jourdain, maintenant. Oui. D'accord. Alors, le maître dansé, qui est là, et le maître d'armes. Monsieur, la révérence. Votre corps, 3. Un peu penché sur la cuisse gauche. Les jambes, pas tant écartées.
vos pieds sur une même ligne. Votre poignet à l'opposite de votre hanche. Les bras pas tout à fait si attendus. La tête droite. Les regards assurés. Avancez. Le corps ferme. Touchez-moi. Un, deux, remettez-vous. Un, deux, en saut en arrière. En garde, monsieur, en garde. Je vous l'ai déjà dit. Tous les secrets des armes ne consistent qu'en deux choses. À donner et à nettoyer ses voies. Et comme je vous ai déjà fait boire votre jus par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps. De cette raison donc, un homme se savoir du courage et sûr de tuer son ennemi et de n'être point tué? Sans doute, et c'est en quoi l'on voit combien la science des armes l'emporte sur toutes les autres sciences inutiles, comme la musique, comme la danse. Arrêtez, messieurs les tireurs d'armes. Ne parlez de la danse qu'avec respect. Vous plaisantez si vous voulez comparer votre science à la mienne. Voyez en fait, nombre d'importance. Mon titre m'étera lancé. Je vous ferai danser comme il faut. Monsieur l'évateur de fer, je vous apprendrai votre métier. Vous êtes fou de vous disputer avec lui qui s'est tué un homme par raison démonstrative. J'ai mes mots de sa raison démonstrative. D'où vous dis-je? Comment, petit impertinent? Eh, mon maître d'armes! Comment? Un cheval de carrosse! Eh, mon maître à danser! Si je me jette sur vous! Doucement! Si je me suis vous la mets! De grâce! Je vous conserve une manière! Je vous en prie, arrêtez! Este é un argumento fundamental e é que, gracias a seu arte, un home pode salvar a vida. E que importa en todas as demais que é? Bien, passons a la scène número 3. La scène número 3... Dans la scène número 3 intervient Monsieur Jourdain, maître de philosophie, qui apparaît pour la première fois, qui apparaît au professeur de philosophie, maître de musique que vous connaissez, maître danser et maître d'âme. O sea, están todos los profesores ahora en esta escena presente. ¿Vale? Hizo le résumé. Le maître de philosophie qui survient est invité à arbitrer les conflits. Está invitado a poner orden. Le maître de philosophie. Mais il tourne les trois autres contre lui parce qu'il met la philosophie sur toutes les autres sciences. Bataille et sortie des combattants. Le professeur de philosophie suppose que un philosophe est capable de résoudre un conflit. Mais au final, acaba diciendo que la philosophie est une ciencia muy superior a todas otras, que ni siquiera cuando recibir un nombre de ciencias, et que les baita incluso de sobra artes o oficios. Y los otros todos volvense contra él a una batalla, en vez de conseguir la paz, consiguen todo lo contrario. ¿Vale? Es importante que hagades atenção se sois capazes de seguir a linguagem que utiliza o método de filosofia ao princípio, que é totalmente diferente da que utiliza ao final, quando a gente se move com ele. D'accord? Oui? Allez, a cena número 3. Porte de la sorte. Et n'avez-vous point lu les doctes traités que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas ou de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Elle a raison. Ne doit-elle pas être maîtresse de tout le mouvement? Comment, monsieur? Elle vient nous dire des injures à tous deux en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession. Un homme sage est au-dessus de toutes les injures
qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération, la patience. Ils ont tous deux l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Faut-il que cela vous émeuve? Ce qui nous distingue les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Je soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut pas faire à ses honneurs. Et moi, que la musique en est digne que tous les siècles ont révélé. Moi, je soutiens que la science de tirer des armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Ah. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve toutefois bien impertinent de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art, et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métiers misérables, de gladiateurs, de chanteurs et de baladeurs. Allez, philosophe de chien! Allez, pédant! Allez, coquin! Comment? Le résumé dit, cette scène montre le degré d'instruction de M. Jourdain. Mostra o que sabe, protagoniste, au grado de instruction. Et permet de voir ce que l'on apprenait dans les collèges au XVIIe siècle. Et permet de nous voir ce que se enseignava dans les collèges de Mouvardia du siècle XXIIe. Le maître de philosophie rentre, porque vemos que acaba de salir, rentre, on va entrar. Monsieur Jourdain désire apprendre tout ce qu'il pourra. Monsieur Jourdain, le protagoniste, quiere aprender todo lo que puede. Todo lo que puede. Pues su objetivo es lucir a la risa y vivir como un hombre normal. Mais il renonce à la logique, à la morale, à la physique et se décide pour l'orthographe. Et nous quiere saber nada, ni la logica, ni la moral, ni la física. Decide estudiar ortografía. Esta es una pregunta, a ver si vos podéis contestar. ¿Es que el maître de filosofía adapta su enseñamiento al nivel de su élève? Fijándonos si el profesor adapta o que enseña o nivel del alumno, de ese joven. ¿O que enseña es útil? ¿Vale para algo? Monsieur Jourdain est-il effrayé de sa propre ignorance? Pensades que le Seigneur Jourdain est horrorizado de poco que sabe. Y puedes comprobarlo. Allez, la scène. C'est Monsieur Jourdain, vous allez voir le maître de philosophie qui rentre. Venons à notre leçon. Ah, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Ce n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais. J'en range que mon père et ma mère n'aimaient pas fait étudier toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Par où voulez-vous que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit? La première, la seconde
et la troisième. La devient la première et devient concevoir par les moyens des universaux. La seconde et devient concevoir par les moyens des catégories. Et la troisième et devient tirer une conséquence des figures. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous que je vous apprenne la morale? La morale? Oui, monsieur, la morale. Qu'est-ce qu'il dit, cette morale? Elle traite de la félicité et enseigne au son à modérer les passions. Non, laissons cela. Je suis vilier comme tout le diable et je vais me mettre en colère quand il me plaira. Et c'est la physique que vous vous apprendre. Qu'est-ce qu'elle dit, cette physique? La physique est celle que nous enseigne les causes de tous les météores. Les vents, la pensée, les tourbillons, les neiges. Il y a trop de tintamarres là-dedans. Que voulez-vous donc que je vous apprenne, monsieur? Apprenez-moi l'orthographe. L'orthographe, monsieur. Oui. Et après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas. Très bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres. Les lettres sont divisées en voyelles et en consonnes. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. Tu comprends tout cela? La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. 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 Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire des pattes de ses talons. A, E. A, E. A, E. Ma foi, oui. Ah, que cela est bon. La voix I se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et en écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I. I. Cela est vrai. Vive la science. Et la voix O se forme en rouvant les mâchoires et en rapprochant les lèvres par les deux coins, les hauts et les bas. O. 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 Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, O, I, O. L'ouverture de la bouche fait justement comme petit rond qui représente un O. O. C'est là, après. Ah, la même chose que de savoir quelque chose. Et la voix, I, se forme en rapprochant les dents. Ça les joindre tirement. On les lèvre, ça longe, comme si vous faisiez l'amour. C'est le vrai. Demain, je vous expliquerai les autres lettres qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses? Sans doute, monsieur. Je vous expliquerai toutes ces curiosités. À demain, monsieur. Monsieur le maître, je vous en prie, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je vais laisser tomber à ses pieds. Très bien. Cela sera galant, oui. Sans doute, monsieur. Vous voulez lui écrire de la poésie? Non, quant à poésie. Vous ne voulez que de la prose? Non. Je ne veux pas ni poésie ni prose. Il faut bien que ce soit l'une ou
l'autre. Pourquoi? Pour la raison, monsieur, que pour s'exprimer, il y a la poésie ou la prose, monsieur. Il n'y a que ni poésie ni prose. Non, monsieur. Tout ce qui n'est pas prose est poésie. Et tout ce qui n'est pas poésie est prose, monsieur. Alors, et quand on parle, qu'est-ce que c'est? De la prose, monsieur. Quoi? Quand j'ai dit, Nicole, apporte-moi mes pantoufles et donne-moi mon bonhomme de nuit. Qu'est-ce que c'est? De la prose, monsieur. C'est de la prose. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que j'ai dit de la prose, sans que je ne cherche rien. Et je vous prie, je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela soit mis d'une manière galante, que ce soit tourné gentiment. Maître, que l'effet de ces yeux réduise votre cœur en cendres. Non, 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 je ne veux pas tout cela. Je veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Il faut bien éteindre un peu les choses, monsieur. Non, vous dis-je, je ne veux que ces paroles-là dans les billets. Mais tournez à la mode, bien arrangées, comme il faut. Et je vous prie de me dire les diverses manières dont on peut les mettre. On peut les mettre, premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, me font mourir d'amour, vos beaux yeux, belle marquise. Ou bien, d'amour me font, belle marquise, mourir d'amour. Ou bien, vos beaux yeux, mourir me font, belle marquise, d'amour. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai pas étudié et j'ai fait cela tout de premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. À demain, monsieur. À demain, monsieur le maître. Passons donc à la scène numéro 5, qui est la dernière, d'accord? Dans cette scène intervient M. Jourdain, maître tailleur et un laquais. Il intervient au protagoniste, au chastre, qui est très fraché, et aproveite au même temps pour pas. Il y a un tocillo de tela pour faire par exemple, même un autre fraché, et un lacayo qui va aider à vestir à M. Jourdain, en cadence. Dites le résumé. Monsieur Jourdain reçoit son tailleur qui lui apporte un habit. Monsieur Jourdain retire au seu chastre qui le trae un traje. Le garçon tailleur habille Monsieur Jourdain en cadence. Pour la calle, va le vestir d'une manière élégante, en cadence. La scène se termine par un effet comique. Le maître tailleur, le laquais, connaissant la faiblesse de Monsieur Jourdain, le traite de Monseigneur. Titre réservé à la noblesse, de votre grandeur, titre réservé aux évêques, et l'altesse, titre réservé aux princes et aux ducs. Dites que Athéna s'accaba pour un moment comique, quand il a choisi de vestirse, pour conseguir dinero, trata-lo de Monseigneur, qui est un titre réservé à la noblesse, à sa grandeza, réservé aux bispos, et à sa altesse, réservé aux duques. Et au spirit. Cada vez que dice un titulo, él se crea un nombre de qualité et va exaltando un peu de dinero. D'accord? Passons donc à la scène numéro 5. Allez, on y va. Vamos.
J'allais me mettre en colère contre vous. Ah, je n'ai pas pu venir plus tôt. Tenez, voilà le plus bel habit de le cœur. Et le meilleur sorti, c'est un chef-d'œuvre qui d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fout pas nous. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Dites bien, monsieur. Oh, oh, monsieur le tailleur, voilà de l'étoffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me semble si belle que je n'ai voulu faire un habit pour moi. Oui, oui, mais s'il ne fallait pas le faire avec les miens. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-le-moi. Attendez, attendez. Cela ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence. Hola, entrez vous autres. Mettez cet habit, hein, monsieur, de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Voilà celle qui sait de se mettre en personne de qualité. Mon gentil homme, donnez s'il vous plaît au garçon quelque chose pour boire. Comment m'appelez-vous, mon gentil homme? C'est là ce qui sait de se mettre en personne de qualité. Attendez, tenez pour mon gentilhomme. Oh. Monseigneur, nous remercions, nous sommes bien obligés. Monseigneur, oh, monseigneur, attendez mon ami, monseigneur mérite quelque chose. Et ce n'est pas une petite parole que monseigneur. Voilà, tenez ce que monseigneur vous donne. Ah, monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Votre grandeur? À moi? Ah, votre grandeur? Ne vous en allez pas. À moi, votre grand-mère. Oh, oh, oh. Ma foi, s'il va jusqu'à l'altesse, il aura toute la bourse. Tenez ce que ta grandeur vous donne. Oh, monseigneur, nous remercions très humblement votre générosité. Il l'a bien fait. J'allais lui donner tout.